La marine française compte actuellement 20 frégates. Une frégate, c'est un navire de combat dont le tonnage varie entre 2000 et 7000 tonnes. Équipées de canons, de mitrailleuses et d'au moins une tourelle, elles sont toutes dotées d'une drop zone pour hélicoptères. En France, la marine y opère des caïmans marines. Ces navires polyvalents peuvent être déployés sur de longues missions en haute mer. Il en existe plusieurs types, en fonction des missions à effectuer. Il y a aussi les frégates multimissions, les FREM, qui sont toutes équipées d'armes anti-sous-marines et de missiles de croisière. La France va d'ailleurs en recevoir de toutes nouvelles dès 2024. Dites de défense et d'intervention, ces frégates multimissions nouvelle génération, au design racé, sont des navires de moindre tonnage, plus petits. Ils seront donc complémentaires. Cette nouvelle frégate multimission pourra embarquer un hélicoptère lourd comme le NH90 ou le futur Guépard Marine et un drone aérien d'une masse maximale de 700 kg. Elle aura une capacité de 150 marins et affichera une vitesse de 50 km/h. La Marine nationale en a commandé 5 exemplaires.